Alors, la perte de cheveux chez la femme, c'est vrai que c'est un gros problème. Et comment trouver des solutions? Alors, bien sûr qu'il peut faire des tests donc de porosité, tests sanguins pour voir la cause. Peut-être que ça vient d'un problème, d'une carence. Donc, peut-être une carence en certains minéraux, oligo-éléments, de bien d'avoir connaître la cause de la chute de cheveux. Peut-être les chutes de cheveux, c'est à cause d'une dépression, à cause des troubles psychologiques, c'est peut-être de la thyroïde, l'hypothyroïdie, ça peut venir donc aussi d'une carence, une mauvaise alimentation, hein, trop de sucre, trop de gras, hein, donc une mauvaise alimentation, pas assez de fruits et de légumes, ça peut venir donc aussi de l'hypothyroïdie, ça peut venir du diabète, ça peut venir aussi donc du tabac, ça peut venir de la pilule, hein, certaines femmes, le problème de leur chute de cheveux vient aussi de la pilule donc, qui a été prise, hein, ou d'une coiffure qui est excessive, hein, d'utiliser les sèche-cheveux par exemple, hein, c'est peut-être aussi la cause de cette chute. Donc d'abord, avant tout, de bien diagnostiquer, de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui a fait la cause de votre chute de cheveux? C'est bien sûr, ça peut être l'allaitement, la grossesse, hein, les troubles hormonaux, etc., etc. Donc d'abord, dans un premier temps, de chercher et de savoir la cause. Mais en règle générale, je vais vous donner quelques éléments naturels pour pouvoir justement lutter contre la chute de cheveux. D'abord, de prendre des multivitamines. Donc, multivitamines que vous allez trouver donc un maximum de vitamines, que ce soit vitamine B, A, E, C, un maximum de vitamines. Multivitamines, ensuite les minéraux. Alors, les minéraux, que ce soit magnésium, potassium, que ce soit sodium, tous les minéraux qui soient donc importants, qui sont importants pour lutter contre la chute de cheveux. Ensuite, bien sûr, on peut prendre des éléments, si vous, la chute de cheveux a été la cause de, au niveau psychologique, de faire une cure, par exemple, de safran rhodiola, du griffonia, du magnésium. Ainsi, vraiment, de retrouver une santé. Si c'est de l'hypothyroïdie, si c'est de la cause de l'hypothyroïdie, donc les troubles hormonaux, par exemple, la spiruline est très, très bien. La spiruline est très, très bien pour, donc, contre la chute de cheveux. Le champignon reishi qui est très bien contre la chute de cheveux, qui vous aide justement à pouvoir vous aider contre les cheveux. Ensuite, vous savez que la sunna du prophète et le prophète aimait une chose qui était importante pour préserver la beauté de ses cheveux, c'est bien sûr le henné, les feuilles de henné. Et aujourd'hui, vous avez plusieurs façons d'utiliser le henné, que ce soit directement en feuilles, que ce soit en cataplasme. Maintenant, il existe l'huile essentielle de henné, il existe des moyens, des tubes à base de henné pour pouvoir justement vous aider à revivifier et lutter contre la chute de cheveux. Vous avez aussi donc des massages au cuir chevelu avec par exemple l'aloe vera, l'argan, hein, des huiles, par exemple, pour utiliser des huiles, je vais vous donner trois huiles essentielles contre la chute des cheveux. L'huile de ricin, l'huile d'argan et l'huile d'olive. L'huile de ricin, l'huile d'argan et l'huile d'olive. Hein, bien sûr qu'ensuite, il y a des shampoings qui peuvent vous aider contre la chute des cheveux. Shampoing Nigel et argan. Retenez-le. Shampoing Nigel et argan qui est exceptionnel contre la chute de cheveux. Bien sûr, vous pouvez mettre avec des huiles, si vous prenez un shampoing, quelques gouttes d'huile de coco. Qui pourra vous aider justement à faire reprendre cette et contre la chute de cheveux. Aussi, faut savoir que si c'est vraiment un problème à cause de la pilule par exemple, si c'était la prise de la pilule qui vous a causé ces problèmes ou par exemple des hormones, vous avez pris par exemple des médicaments qui ont été la cause de la chute des cheveux, vous prenez donc des phytoestrogènes, par exemple Onacre, Bourrache. Gâtillier, sauge. Mais surtout pour la chute de cheveux, ce que je vous conseille, c'est l'onacre et bourrage. Onacre et bourrage. Et bien sûr, vous pouvez prendre la vitamine E et le sélénium, un antioxydant qui vous aidera justement à lutter contre les cheveux. Et pour terminer, si vous voulez faire revivre vos cheveux et qu'il y a moins de pertes, d'utiliser deux compléments alimentaires exceptionnels, la mélanine et la kératine. La mélanine, retenez, la mélanine et la kératine. En complément alimentaire. C'est vrai qu'on la retrouve dans beaucoup dans l'alimentation, on retrouve dans des végétaux, mais le mieux, c'est de la prendre en complément alimentaire. Faites une cure de 3 mois de kératine et de mélanine, et vous allez voir, il y aura bien sûr une reprise, Inch'Allah, une reprise de cheveux, et vous allez avoir moins de chutes et revenir et reprendre la vitalité de vos cheveux.